Pascal, le garde du corps, a eu du cran. Ça, c'est un candidat battant. À deux reprises, il a choisi de répondre sans utiliser ses jokers. En quatre questions, il a déjà éliminé 80 adversaires et cumulé 11 000 euros de gains. Avec son audace et son dernier joker, il n'a plus qu'un objectif, aller chercher les 200 000 euros. Mais Pascal a-t-il validé la bonne réponse? C'est tout de suite dans 1 contre 100. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur TF1 pour de nouvelles aventures, pour un nouveau numéro de 1 contre 100. Accueillons tout de suite Pascal. Ça va Pascal? Sympa. Mais merci. C'est pas possible, hein. Merci, bonsoir. C'est pas gentil de faire ça. On dit bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. D'autant que Pascal est un brillant candidat. Il fait ce qu'il peut. Qu'il vous a décimé d'une force incroyable. Que vous n'êtes plus que 20 en jeu. Ah oui, là, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus rien. Là, on la ramène moi, hein. Bon, vous connaissez nos 7 coiffeuses? Oui. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Bonsoir. L'avantage, c'est que plus les jours passent, plus elles sont charmantes parce que les coiffures redeviennent normales. Et moi, j'aime bien les femmes naturelles. Alors, l'avantage, c'est que de jour en jour, les tatouages ne changent pas, ne bougent pas. C'est du tatoué, c'est du dur, c'est du vrai. Ce sont les tatoués. Et puis, je ne l'ai pas présenté, mais faut-il encore le présenter? C'est notre mascotte, c'est notre boulette à nous. C'est notre boulet à nous. Statisticien. C'est l'homme qui répondait tellement vite qu'il répond tout le temps mal. D'accord. Alors je m'appelle Pierre et ça je remercie Pierre chaleureusement le public. Mais oui. Bravo. Merci. On vous aime Pierre. Hein. Bon, je vous rappelle que si vous éliminez l'intégralité du mur, ils ne sont plus que 20. Vous remportez les 200 000 euros. Ouais. C'est le moment chez vous de jouer et de partager les gains avec Pascal. Téléphonez au 36 80 ou envoyez mur au 6 13 13. Rarement un candidat a été aussi près du but. Bravo aux gagnants téléphoniques dont le nom s'affiche en bas de l'écran. Ils partagent les gains de la dernière émission. Bravo. On va reprendre là où on était resté. Oui. Puisque vous aviez validé une question qui concernait le fameux vinaigre balsamique. Et c'est vrai que j'ai un peu mauvaise conscience parce que vous avez un petit peu provoqué, encouragé à ne pas prendre de joker et à vous jeter dans le bain. Dans la gueule du loup, je ne sais pas encore, mais dans le bain. On va vérifier votre réponse. Quel fruit est utilisé dans la fabrication du vinaigre balsamique? La bonne réponse, Pascal, est la réponse... Je vous l'avais dit. Ah oui. Il faut se faire confiance. Oui, merci. En plus, comme ils étaient très sûrs d'eux dans le mur, je suis sûr que ça a dû dégager sérieux. Alors, combien y a-t-il de mauvaises réponses? Bravo, ils sont 9 éliminés. Merci. Ça vous fait 2700 Merci. Euros de plus, soit un total de 13 700 euros. Bravo. Mais surtout, ils ne sont plus que 11. Pascal, vous êtes vraiment près des 200 euros et je vous pose la question. L'argent ou le mur? Voici donc 1 contre 11. Voici la question, elle peut vous rapporter 350 euros par adversaire éliminé. Plus que jamais, dans cette question, le mur peut totalement s'écrouler. Et là, c'est 200 000 euros pour vous, Pascal. Voici la question.
Quel titre Marc Lavoine n'a-t-il pas enregistré en duo ? A, je ne veux qu'elle. B, j'ai tout oublié. C, bascule avec moi. Répondez maintenant le mur. Je me rechante les chansons dans la tête. Mais chantez-les à haute voix. Comment ? Chantez-les à haute voix. Alors, non, je ne veux qu'elle, ça chanteur. Fait quoi ? Je pense que ça, il l'a chanté à deux. Oui. Je ne veux qu'elle. J'ai tout oublié, je crois aussi. Et bascule avec moi, c'est bascule avec moi, bascule. Et ça, je crois qu'il le chante tout seul. Je crois qu'il le chante tout seul. J'ai bien envie de jouer sans joker. Allez-y alors. Je ne veux qu'elle, je suis sûr que c'est pas ça. J'ai tout oublié, j'ai tout oublié, j'ai tout oublié, tout oublié. Je pense que c'est bascule avec moi. J'ai pas oublié. Hey Pascal, au risque de me répéter, oui, faites-vous confiance. Je sais, je dois me faire confiance. Alors je prends la réponse C. Allez-y. Vous ne savez pas bien sûr, mais... Bascule avec moi. Tout peut basculer sur cette question. D'un côté comme de l'autre. Quel titre Marc Lavoine n'a-t-il pas enregistré en duo ? C'est bien joué ! Je ne veux qu'elle. C'est Claire Kane qui chante avec lui. Et j'ai tout oublié, c'est Christina Marocco. Très bien joué, Pascal. Regardez-les là. Alors, tout oublié ? Ouais. Ah là là. Ah, ils sont pas contents, hein. Ah non, hein. Vous pensez qu'ils savaient ça ? Vous pensez qu'ils savaient ? Ouah, ah, bon, franchement, les connaissants, il y en a bien deux ou trois qui ont basculé. Alors, on dit pas les filles, parce qu'elles aiment bien Marc Lavoine. Mais les gars, je pense qu'ils ont pu en prendre un petit coup, là. Qu'en est-il des mauvaises réponses ? Je l'avais dit ! C'est un garçon qui s'est trompé ! En 94, monsieur, bonsoir. Bonsoir, j'ai plongé, j'ai pas basculé. Vous avez plongé, hein ? Ouais. Faites gaffe, vous êtes haut quand même, là. Hein. C'est ma femme qui a me tuer, on était le voir en concert. En plus ? Et ouais. Voilà, c'est le drame de ce mur. Ce mur a un problème, c'est qu'ils connaissent la réponse, mais après. Après. Bon, tout ça va bien. 350 euros de plus, ça vous fait 14 050 euros, pas de joker gâché. Ils ne sont plus que 10, on se rapproche petit à petit, mais sûrement. Les 200 000 euros. Pascal, je vous repose cette question. L'argent ou le mur ? % du mur est tombé, il reste un joker. Tout va bien, faites-vous confiance. Je le répète depuis le début de la partie, Pascal. Le mur ! Si chez vous, vous voulez partager les gains avec Pascal, téléphonez au 3680, envoyez mur au 6-13-13. Nous sommes très, très près des 200 000 euros. Bravo Pascal, on se concentre. Voici donc 1 contre 10. La question peut vous rapporter 400 euros par adversaire éliminé avec un joker toujours présent. Voici la question, Pascal. Comment se prénomme la Castafiore dans les aventures de Tintin ? S. A, Clara, B, Bianca, ou C, Maria. Répondez maintenant le mur. Vous avez du Tintin ? Du tout ? Moyen. Alors, Pascal ? Je sais pas, dites-les à haute voix pour voir comment ça sonne. Clara la Castafiore, Bianca la Castafiore, Maria la Castafiore. Comme ça, moi j'aurais dit Maria. Clara.
faites-vous confiance depuis le début, vous avez une bonne intuition. Je le vois pas du tout, j'ai lu de temps en temps, mais comme ça, mais je le vois pas. On a un joker ? Là, je vois pas. Vous voyez pas. Joker, Pascal ? Joker. Joker. Voici le troisième joker de Pascal. Il est important, ils ne sont plus que 10. Ce joker est simple, vous allez choisir une réponse et on verra quels sont ceux dans le mur qui ont répondu comme vous, autrement dit, ceux qui pensent comme vous. Je dirais Maria. Maria ? On va pour Maria ? On va pour Maria. Dans le mur, quels sont ceux qui ont répondu Maria Castafiore ? Personne n'a répondu Maria. Peut-être qu'il n'y a personne qui le sait. Si c'est la bonne réponse, évidemment, vous avez gagné 200 000 euros. Mais vous pouvez évidemment changer et prendre la A ou la B. Évidemment, c'est embêtant parce que tout peut basculer sur cette question, d'un côté comme de l'autre. 200 000 ou zéro, en gros. Hein. Où je peux partir ? Avec 25% de la somme. C'est pas fini, oui. Pascal, vous m'avez dit, j'hésite entre... Bianca, Maria. Donc bon. Si eux n'ont pas répondu du tout Maria, c'est Bianca. C'est Bianca. Clara, Maria, Bianca la Castafiore. Allez, on y va pour Bianca la Castafiore. Ils sont mauvais joueurs, ils sont mauvais camarades, ils sont de mauvaise foi. Silence, l'heure est grave. Comment se prénomme la Castafiore dans Les Aventures de Tintin ? Vous avez 14 000 euros, tout peut basculer sur cette question. En tous les cas, vous pouvez perdre vos 14 050 euros. La bonne réponse est la réponse... Une chose, c'est que depuis le début du jeu, vous avez une excellente intuition. N'est-ce pas ? Je cherche, au fond. Hein. Maintenant, il faut voir combien ont mal répondu sur cette question. Peut-être qu'il n'y en a aucun. Non, quels sont ceux répondu. Qui chutent ? Aucun. Ils ont tous répondu. Ils ont tous bien répondu. Pas de chance. Le combat se durcit, vous n'avez plus de joker. Vous avez 14 050 euros, Pascal. Ils sont toujours 10. Mais il semble solide. Mais vous avez déjà fait chuter 90% du mur. Et le plus dur est fait, Pascal. Et jamais votre intuition ne vous a trompé. Que faites-vous ? L'argent ou le mur ? Je sais pas. Faites-vous confiance ? Oui, mais... Je suis déjà assez allé loin. Je suis allé loin, quoi. Je suis allé loin. C'est pas énorme. Vous êtes allé tellement loin, vous n'allez pas vous arrêter à 10 candidats des 200 000 euros, pas maintenant. 200 000 euros, ça change une vie. 14 000 euros aussi, c'est vrai. Mais t'as 200 000, puisqu'ils veulent pas me les donner. Ils veulent vous les prendre, oui, bien sûr. Ils veulent vous les prendre, c'est ça. Alors, merci, merci. Merci de votre soutien. Allez, le mur, on y va. Le mur ! Ça ne m'étonne pas que vous soyez courageux. J'espère que vous n'allez pas le regretter. Si chez vous, vous voulez jouer, composez le 3680 ou envoyez mur au 6-13-13 et vous pourriez vous partager jusqu'à 200 000 euros.
Voici une fois de plus 1 contre 10. La prochaine question peut vous rapporter 500 euros par adversaire éliminé. Je rappelle qu'ils ne sont plus que 10 et que sur une seule et même question, tout peut basculer. Voici la question. Combien d'étoiles figurent sur le drapeau de l'Union européenne? A, 12. B, 15. C, 25. Le mur répondait. Est-ce que vous avez une intuition? Combien d'étoiles figurent sur le drapeau de l'Union européenne? J'aurais dit la B, comme ça de B. C'est pas assez. 25, je sens que c'est beaucoup, mais 15, est-ce que c'est suffisant? Français, 12, non. 12, c'est mort. Voici l'hymne européen. Tout à fait. Est-ce que vous le voyez, le drapeau européen? Oui, je le vois. Je le vois bien. Je eh bien, comptez les étoiles. Qu'est-ce qui représente les étoiles sur le drapeau? Les pays européens. Les pays européens, donc 12. Depuis qu'il y en a qui ont été rajoutés, je sais pas, c'est ça le problème. Ou alors vous répondez pas, vous jetez l'éponge et vous repartez avec 3512 euros. C'est une somme, hein? C'est une somme. Mais faites-vous confiance! 12, il n'y en aurait que 3 de rajouter? Non. 25? Après 25? 25? Allez-y! 25. 25, réponse C. Validez la réponse. 25. Allez-y, faites-vous confiance. On va voir quelles sont les mauvaises réponses du mur. Ce que ça pourrait vous rapporter. Regardons. Oh là là! Ça peut vous rapporter 3000 euros de plus, ce qui vous mettrait à 17 050 euros. Mais surtout, le mur sera réduit à 4. J'espère que vous avez la bonne réponse. Dans le cas contraire, vous partirez les mains vides. Combien d'étoiles figurent sur le drapeau de l'Union européenne? La bonne réponse. Pascal, vous êtes parti sur le bon et en même temps le mauvais raisonnement. Effectivement, l'Union européenne grandit, mais à la base, c'était 12 et le drapeau n'a jamais été modifié. Je suis désolé. Ah si, je suis sincèrement désolé, Pascal. C'est le jeu. Non, je suis désolé, vraiment. Merci. Les rescapés du mur, ils sont 4 ce soir, se partagent les 14 050 euros avec un téléspectateur dont le nom s'affichera demain en tout début d'émission. Désolé. Vous avez été un très bon candidat. Au revoir. Accueillons tout de suite un nouveau candidat. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Je vous présente le mur. Bonjour, le mur. Alors, le mur est un petit peu en forme parce qu'évidemment, après moult tentatives, ils ont enfin réussi à gagner un peu d'argent. Enfin ? Enfin, ouais. Mais pas l'intellectuel de service, là. Je sais pas où il est, mais il a pas gagné, lui. Il est où ? Le numéro 67. Ouais, c'est ça. Il a pas gagné, lui. Non, mais il, non, mais il va gagner, j'en suis sûr. Mais dans le mur, il y en a un qui gagne. Voilà, absolument. Quatre. Ça va arriver. Bon, Juliette, que faites-vous dans la vie ? Je suis éducatrice de jeunes enfants. D'accord. De quel âge ?
Bah, de tous les âges. J'ai des jeunes enfants jusqu'à 7 ans, mais bon, je peux faire tous les âges aussi, Benjamin. Ok. Ok. Bon, dans le mur, toujours présente, nos amies coiffeuses. Également, les tatoués. Notre numéro 28, notre tatoué est... a remporté de l'argent dans la manche précédente. Bravo, c'est bien. Vous sauvez l'honneur des tatoués. Et puis, je ne sais plus comment le présenter. Ses diplômes sont merveilleux, mais ils ne lui servent à rien. C'est Pierre, notre statisticien. Merci, bonsor à tous. Dis le boulet. Merci pour vos encouragements. Juliette, ce jeu est extrêmement simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Non. Si vous éliminez l'ensemble du mur sur une seule question, à vous le jackpot et les 200 000 euros. Oui, je suis là pour ça. Je suis là pour ça, très bien. Ah oui. Si vous aussi, chez vous, vous voulez partager les gains de Juliette, téléphonez au 3680 ou envoyez mur au 6-13-13. C'est parti, voici un contre 100. Première question, Juliette. 100 euros par adversaire éliminé, voici la question. En novembre 2006, qui a ouvert une école de savoir-vivre à Genève? Est-ce A, Nadine de Rothschild, C, Geneviève de Fontenay ou C, Paris Hilton? Répondez maintenant. Pourquoi? Oh là là. Bon. Ça commence fort, hein. Je suis motivée pourtant, mais... Alors, en novembre 2006, qui a ouvert une école de savoir-vivre à Genève? Bon, Paris Hilton, qu'est-ce qu'elle viendrait faire par là? Bon, Geneviève de Fontenay... peut-être dans Miss France, oui, bon, peut-être que, oui, une école de savoir-vivre, oui, peut-être qu'elle apprend ça à certaines femmes, certaines Miss. Oh ah, ça commence mal. Bon, je vais prendre un joker quand même, alors. Vous êtes sûr? Ah, bah... Ah, oh, il m'énerve. Ils sont agaçants. Ah. Bah non, mais je vais perdre. Alors bon, alors je dis joker parce que non, voilà, joker. La deuxième sera plus facile, j'espère. Bon, premier alors joker. Joker pour Juliette. Alors le premier, c'est un cadeau, vous le savez. Vous allez passer la question. Vous auriez répondu quoi? Bon, Ah, Nadine de Rothschild n'avait pas écrit un livre, justement, il y a quelques années, voilà, pour les machins de savoir vivre. Donc vous auriez dit quoi? Bah la A. Vous auriez dit la A. L'avantage, c'est que bonne ou mauvaise, la réponse va vous rapporter de l'argent. Si ils se sont trompés, qu'en est-il de la réponse? En novembre 2006, qui a ouvert une école de savoir-vivre à Genève? La bonne réponse est la réponse. Oui, ah, la ville de oui, non, mais j'ai pensé après, les couloirs. Ouais, ouais. Mais bon, c'est pas été ça, ouais. Ah. Bon, il y en a combien qui se sont trompés? Je vous ai dit. Mais oui. Réfléchissez, prenez votre temps. Si vous voulez partager les gains de Juliette, téléphonez au 3680, envoyez mur au 6-13-13. Juliette débute un peu difficilement. Oui, mais bon. Combien partent là? Et vous savez quoi? Zéro, ça m'étonnerait. Vous savez quoi? On le saura juste après la pub. Juliette est très à l'aise sur le plateau, mais nettement moins avec les questions que Benjamin lui propose. Ça commence fort, hein? Elle prend d'entrée son premier joker alors qu'elle connaît la réponse. J'ai pas envie de partir tout de suite en même temps. Va-t-elle au moins éliminer des adversaires et remporter de l'argent sur cette première question? J'ai pas envie de repartir sans rien. La réponse, c'est maintenant, dans un contre 100. De retour sur le plateau de 1 contre 100. Nous sommes en compagnie de Juliette. Juste avant la pause, nous en étions restés à la question suivante. En novembre 2006, qui a ouvert une école de savoir-vivre à Genève? La bonne réponse était la réponse A. Vous le saviez, vous avez gâché un joker. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que dans le mur, il y a des mauvaises réponses? Oui, s'il vous plaît. Allez.
1, 2, 3, 4. Ah oui, 5, 6. Ah oui, 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 attends, 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 attends. Oh. Encore, encore, encore. Oui, oh. Oh. Oh, 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 oui. Oh là là. Oh là là. Bravo. Oh là là. Ah bah ça alors. Comme quoi les tatoués, hein, les choses se suivent et se ressemblent pas. Hein. Il n'y a pas besoin d'école pour ça, c'est inné chez nous de savoir vivre. Chez les coiffeuses, c'est une véritable tonte. Il n'y a pas d'autre mot. C'est dommage, vous prononcez la réponse. Il est là ! Le statisticien a bien répondu ! Bon. Champagne ! J'avoue que la chance était un peu avec moi parce que j'avais une hésitation avec la deuxième réponse. Ah oui. Mais bon. Bon, bah ça passe quand même. Hein. Si. Ouais, bon, tout ça commence plutôt bien, même si le joker est utilisé. Ouais. Ça vous rapporte 2800 euros. Il y a 28 éliminés. Et ils ne sont plus que 72. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Mmh. Juliette, que faites-vous? L'argent ou le mur? Les gains de Juliette en téléphonant au 36 80 ou en envoyant mur au 6 13 13. Peut-être que Juliette ce soir est en route pour les 200 000 euros. Voici donc 1 contre 72. Question suivante, Juliette. Cette question peut vous rapporter 150 euros. La voici, par adversaire éliminé évidemment. Quelles dents sont normalement les moins nombreuses chez l'homme adulte? Est-ce A, les molaires, B, les canines ou C, les incisives? Répondez maintenant le mur. Juliette. Alors, qu'est-ce que je dirais? Donc, les incisives. Un, deux. C'est horrible. Alors, attendez, les incisives. Donc ça, c'est les premières qui poussent, les molaires, les canines, on en a que deux, les canines. Non? Oh. C'est horrible parce que c'est bon, ouais. Oh là là, je me déteste. J'aurais dû plus écouter à l'école, hein. Bon, je dirais la B. Allez-y. Mais si je perds, je vous en voudrais. Hein. Me dites pas allez si c'est pas bon. Hein. Oh là 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 là. Vous avez dit quoi, vous? Le joker. Bon, alors un joker. Oh là 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 là, les incisives. Là là. Bon, les canines. Allez-y. Voilà. Trop tard, j'ai appuyé. Ah non, vous êtes méchant. Non, si c'est pas ça, non, 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 je rentre pas chez moi. Hein. Ah, vous montrez pas vos dents. Non, 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 c'est ça ou pas? Ah non, je sais pas, je sais plus. Quelles sont les mauvaises réponses du mur? Ah, c'est horrible. C'est un drame. 32 éliminés. L'espoir était de courte durée pour notre ami statisticien. Hein. Bah, je vais pas trop te charrier là. Parce que... Bon, si vous avez correctement répondu, vous allez ajouter 4800 euros à votre cagnotte, ce qui vous ferait un total de 7600 euros. Ouais. Quelles dents sont normalement les moins nombreuses chez l'homme adulte? La bonne réponse est la réponse... Oh là là, non, c'est horrible. Ah oui! Oh là là, oh là là. C'est bien, Juliette. Bon. C'est même très bien, vous avez 7600 euros. Ah. Ils ne sont plus que 40. Alors, Juliette, l'argent ou le mur? Tout à l'heure, j'en ai rencontré certains. Et c'est vrai qu'ils m'avaient pas l'air très très futés.
Donc, je pense que je vais dire le mur. Si vous aussi jouez et partagez les gains de Juliette en téléphonant au 3680, ou en envoyant mur au 6-13-13, peut-être que Juliette ce soir est en route pour les 200 000 euros. Voici 1 contre 40. Alors Juliette, ça va ? Bah oui, ouais, j'ai hâte de voir la prochaine question. Et ben la voilà. Oui, merci. Elle peut vous rapporter 200 euros par adversaire éliminé. Voici cette question. Qui est le directeur de la chocolaterie dans Charlie et la chocolaterie ? Est-ce A. Willy Sagnol, B. Willy Wonka ou C. Willy Denze ? Répondez maintenant, lui. Je trouve que ça communique beaucoup, hein. Réfléchissez à votre réponse. Oui, une fois, je suis sûre. Quelle est la bonne réponse? Alors ça, c'est un livre que j'adorais quand j'étais petite. Oui. Voilà. Donc, en plus, avec Johnny Depp, le film aussi, que absolument, j'ai vu après. Voilà. Donc là, je suis sûre. Voilà, je me stresse pas trop. C'est Willy Wonka. Enfin, en même temps, les autres, elles sont un peu idiotes. Hein. Willy Sagnol et Willy Denze, bon. Non. Qui est Willy Sagnol? Bah, joueur de foot. Et qui est Willy Denze? Willy Denze, Ah non, c'est un acteur. Un chanteur. Ah non, vous savez, j'ai confondu avec Denzel Washington. Ouais, ouais, bien non, sûr. Non, un chanteur, non, mais je le savais. Ouais, bien sûr. Si, je vous jure. Faites attention, Juliette, hein. Qui est le directeur de la chocolaterie dans Charlie et la chocolaterie? La bonne réponse, c'est la réponse... Y a-t-il des mauvaises réponses dans le mur? Oui. Bah oui. Ah si, c'est sûr. Ils sont en forme ce soir, le mur. Alors, une... Oh, c'est non. Oui. Les autres, non. Numéro 74, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Claude. Claude, vous avez répondu quoi? Willy Denze. Ah oui. Hey. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, au revoir. Au revoir. À bientôt. Bon. On a avancé un petit peu, vous remportez 200 euros, ça fait un total de 7800 euros. Bon, c'est pas mal. Ils sont 39, c'est très bien. Bon. En 3 questions, 39, c'est un très beau parcours. Hein. Oui. Il n'y a pas de problème. Que bon. Faites-vous? L'argent ou le mur? Ils ont l'air très sur deux. Hein. Mais moi, je le suis encore plus. Alors, le mur! Voici donc 1 contre 39. Toujours deux jokers. Oui. Ça va. Et qui sait, sur une question, les 200 000 euros si l'ensemble du mur chute. Oui. Cette question peut vous rapporter 250 euros par adversaire éliminé. Voici la question. Depuis le 1er novembre 2006, le vendeur d'un logement doit faire établir un diagnostic de validité des serrures, performance énergétique en B ou C, stabilité du sous-sol. Répondez maintenant, le mur. Novembre 2006, le vendeur d'un logement doit faire établir un diagnostic de... Bon, validité des serrures, ça me paraît un peu... Non. Bah, c'est utile en même temps. Hein. Ouais, d'accord, mais bon, oh là là. Performance énergétique, stabilité du sol. Bon, oh là 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 là. Du sous-sol, hein. Ouais, enfin du sous-sol, ouais. Stabilité du sous-sol, ça me paraîtrait plus logique, non? Faites-vous confiance, ne gâchez pas un joker inutilement. Ah oui, mais bon. Là, j'en suis à combien, là? Ouais, j'ai pas beaucoup d'argent, là, j'en voudrais plus. Performance énergétique, stabilité du sous-sol. J'ai envie de dire C. Bah allez-y, faites-vous confiance. Oh oui, mais si c'est pas ça. Ah bah c'est pas ça. Si c'est pas ça, je perds tout. Oui. Oh là là. Joker, oh là là. Mais eux, ils sont énervés. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Joker, quand même. À votre place? Oui. Moi, à votre place, si j'ai la bonne réponse et que j'en suis sûr, je la valide. Si j'ai un 12, je prends un joker. Bah oui.
Bon, je vais prendre le joker, alors. Alors, prenez un joker. Joker numéro 2, c'est la seconde chance. Vous allez choisir une réponse. Si elle est mauvaise, vous pourrez en prendre une autre. D'accord ? Quel est votre choix, Juliette ? Je dirais la C, alors. Eh ben, répondez la C. Oh ! Depuis le 1er novembre 2006, le vendeur d'un logement doit faire établir un diagnostic de... C'était quoi, vous savez, non ? Est-ce que stabilité des sols est la bonne réponse ? Oh là là, c'est stressant. Oh non, voilà. Mais heureusement que je ne vous ai pas écouté, hein, parce que suivez votre instinct, quoi ? Rien du tout. Non, mais heureusement que c'est un joker. Oh là là là. Attendez, attendez. Alors là, quel mauvais choix ! Je vous ai dit à votre place, je connais la réponse, je peux dire, je la connais pas, je prends un joker. Bah oui, mais bon, oh là mais là. Mais je danse là. En plus autour de vous. Oui, allez-y. Quelle mauvaise foi. Bah oui, donc maintenant, bah voilà. Moi, je vais avec le mur maintenant, tiens, voilà. Moi je vais avec eux, je vais là-bas, voilà. Moi je vais aller sur là-bas. Non. Je réponds quoi, public ? Bon. Le public, il dit rien. Oh, bah oui, mais bon, vous êtes avec moi. Le public est un gentil public. Bien élevé. Bon, alors, c'est pas la réponse C. Alors, c'est la A ou la B ? Le vendeur d'un logement. Vous doutez entre quoi et quoi ? Bah, il reste plus que deux en même temps, hein, donc. Vous êtes avec le mur, vous, encore ? Je vais y retourner, attention, hein. Alors, de faire établir un diagnostic de validité des serrures, qu'est-ce que... Mais c'est quoi, ça ? C'est quoi ? Performance énergétique. Oh, non, mais là, si je perds, ça va être horrible, hein. Ou alors, je prends un autre joker encore. Oh là là, bon, performance énergétique, je dis. Vous faites ce que vous voulez. Oh. Bon, depuis le 1er novembre. Juliette. Calmez-vous, Juliette. Bah non, mais bon, là, je sais pas. Juliette, est-ce que c'est A ou B ? Mais c'est A, B ou C, on en est sûr de non, ça. Mais plus arrêtez c'est... avec non, A, B ou C. Donc, c'est simple. Ou vous connaissez la réponse et vous la validez, ou non, et prenez un joker. Vous n'allez pas prendre... Il y a 7 800 € en jeu. Après, j'ai plus de joker. Eh bah ben alors, remarquez les mains vides. Oh voilà, bon. Moi, je peux pas vous aider plus. Oh là là. C'est horrible. J'ai pas envie de repartir sans rien, bon. Je vais prendre un autre joker, alors. Joker ? Bah ouais. Troisième joker. Ce joker et le suivant, c'est qui pense comme moi ? Oh là là. Bah oui, mais avec le mur, là, c'est pas gagné aussi. Hein. Attendez, Juliette. Vous allez choisir la A ou la B, et on ira voir dans le mur quels sont ceux qui ont répondu comme vous, autrement dit, ceux qui pensent comme vous. Alors. Dans le mur, quels sont ceux qui ont répondu la réponse B ? Ça fait une grosse majorité, hein. Oui, c'est... 38 sur 39. Alors là, c'est simple. Est-ce que la 14 est très intelligente ou très nulle ? Si la réponse B n'est pas la bonne réponse, vous vous rapprochez, mais alors avec une vitesse phénoménale des 200 000 euros. Maintenant, si le mur a raison, vous avez blindé votre réponse, vous prenez la B et on continue tranquillement. Bah, j'ai que... Oh là là, je vais quand même dire la B. Hein. Eh ben, dites la B. Bon, alors je fais B, alors. B,
Depuis le 1er novembre 2006, Juliette, le vendeur d'un logement doit faire établir un diagnostic de... performance énergétique. Autrement dit, on doit vérifier si la maison ou l'appartement retient la chaleur. C'est ça, la performance énergétique. Ouais. Remercie le mur. Allez. Quelles sont les mauvaises réponses du mur, à mon avis? Il y en a une, c'est la 14, et voilà! Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Comment vous appelez-vous? Julie. Julie? Julie. Oh, c'est dommage, Julie. Bah oui, je sais. Bon, à bientôt! À bientôt! Allez, ciao! Bon, ça vous rapporte 250€ de plus, soit un total de 8 050€, mais surtout, ils sont encore 38, c'est très bien, mais il n'y a plus de joker. Ouais, c'est ça. Alors, l'argent ou le mur? Oh là là, mais je m'étais dit, si j'ai plus de joker, j'arrête. Allez, le mur, allez-y. Ah, la prochaine question, vous savez les questions, elles sont faciles ou pas? Je ne les connais pas. Oh là là, ben non, mais je vais arrêter, je crois, parce que... Si je sais pas la question d'après, je m'en voudrais trop de rentrer chez moi bredouille. Il y a encore le 25%. Allez. Ouais, mais là, là, là. J'assure ou pas? Oui, là, prenez le mur. Mais vous êtes avec le mur, vous, vous êtes allé les rejoindre, vous. C'est pas pour moi. Vous avez fait plus de moitié du chemin, prenez le mur. Oh là 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 là. Allez-y. Si, si, si je réponds pas bon, ça va être horrible. Allez, vous inquiétez pas. Benjamin. Faites-vous confiance, allez-y. Le mur. J'ai dit sans joker, j'arrête. Mais c'est vous, là, si je perds. Hein, C'est moi? Oh là là. C'est moi? Ah non, non. Ah si, ah, non, vous m'influencez. Non, ça va pas. Hein. Oh là là, c'est horrible. Non, j'avais dit que j'arrêterais. Et, c'est moi le mur qui fait ça? C'est moi qui fait ça? Bon, c'est la fin du temps réglementaire. Oh là là. Vous allez pouvoir vous reposer. Oh non. Vous détendre. Oh là là, non. Et demain, nous reprendrons là où on s'est arrêté. Ils sont encore 38. Vous avez 8 050€. C'est le moment de téléphoner, de faire le 3680, d'envoyer mur au 6-13-13 pour partager peut-être demain avec Juliette 200 000€. Elle est bien partie, elle est courageuse. Excellente soirée sur téléphone demain. Ciao. En 4 questions, Juliette a déjà éliminé 62 adversaires qui lui ont rapporté 8 050€ de gains. Elle semble en bonne voie pour aller décrocher le jackpot de 200 000€. Ils ont l'air 3 sur 2, hein. Mais moi je le suis encore plus, alors le mur. Mais elle va devoir être prudente, car elle n'a plus de joker. Qu'est-ce que je fais? Prenez le mur. Ah, aura-t-elle assez de cran pour aller jusqu'au bout de ce combat face au mur? Vous le saurez demain en regardant 1 contre 100.